Cour cassation, M. Winnie Sylvestre, nous allons pour nous parler de ça matin. Hein? Et puis nous parler de drame ça qui vivait dans le pays la France, côté yon maman haïtienne mourit pendant yon appartement avec trois petits pieds dans le pays la France. L'autorité française yo découvrit cadavre en décomposition. Yon maman ak trois petites li mouri nan quatrième étage nan appartement sa nan Val 12 nan pays la France d'après toute information yo. Ses voisins yo qui étaient obligés de rele service pompier après ont constaté mauvaise odeur qui t'ap dégagé alors que yo gagnent plusieurs semaines yo pas remarqué aucun va-et-vient famille sa. Maman qui origine haïtienne, qui a 44 l'année, mourit sous cabane, tout près, côté où trouvé les mourir, à côté petite Félix qui a 2 l'année, dans l'autre chambre, c'était cadavre, puis grand petit garçon li, qui a 17 l'année, ensemble avec petit frère li, qui a 5 l'année, il même été dans la chambre ça. Enquêteur, t'assemblé, privilégié crime, comme un suicide, que maman commette. Ça, c'est la première hypothèse. Selon information, yo ta joint plusieurs verres à glace tout près chaque victime. Yo. Alors que maman te gagné yon verre nan mel. Yon hypothèse avancée que c'est maman qui t'a semblé touiller Simonio et puis tout y est peut-être parlé après. Donc son première hypothèse, c'est une piste que l'autorité a plus privilégié dans le moment. L'autre hypothèse qui kembe, bon côté la police, il a suggéré c'est intoxication monoxyde carbone qui t'a touillé famille. Hein. En tout cas, responsable yo dans la cité ça, yo même, c'est Val d'Oise. Oui, c'est Val d'Oise. Yo prend en charge enquête yo et puis yo a pour procéder avec autopsie cadavre yo, yon analyse toxicologie corps yo à contenu glacio pour capable voir côté vérité exactement. Pour quelqu'un monde qui croit dans minéologie, yo voulais montrer que chiffre 4 là à l'honneur dans un pareil drame ta cou maman et 44 l'année crime n'a fait dans quatrième appartement et c'est 4 moun qui victime en plus les prend l'âge plus grand garçon qui c'est 17 ans ou ajouter l'âge 5 les 5 ans deuxième garçon et dès l'année fillette là ça va 24. Donc, nous nous cherchons toutes causes. Donc, de toute façon, guerrier, faut qu'il y ait lumière, comme et c'est pays la France qui pour faire, pour capable dissiper nuage, et pour nous capable connaître qui ça exactement, qui t'a à l'origine, la mort. 4 membres en seule famille, maman 44 l'année, avec 3 petites filles, 2 garçons avec une fille. Voilà, Kaipanou, c'est appareil judiciaire haïtien qui est en deuil, testé positif dans COVID-19, M. René Sylvestre, président de la Cour de cassation, en même temps président CSPG qui mourit hier, mercredi, dans l'hôpital universitaire Mirbalais. Magistrat qui était en difficulté pour lui respirer, Simon Saint-Marc, l'ancien ancien substitut commissaire gouvernement, bon côté tribunal pour l'instant Saint-Marc, doyen dans le tribunal ça, substitut commissaire gouvernement, bon côté la Cour cassation, maître René Sylvestre était occupé fonction président à la Cour depuis 1er février 2019. Il était remplacé maître Jules Cantave, magistrat de carrière numéro 1 système judiciaire haïtien. René Sylvestre passé 28 l'année dans appareil judiciaire payant. Faut que nous dit maître René Sylvestre qui était dans premier l'hôpital dans la capitale là côté le t'a prend soin et ben il a fait tentative à lui pour voyager avec lui mais arrivé à l'aéroport là et ta santé pas permettre ça donc il était obligé aller Mirbalais à lui et c'est là lui est mort hier après confirmation nouvelle mort président CSPJ président Jovenel Moïse il y apprend à Campil douleur disparition maître René Sylvestre un homme d'état
fidèle serviteur public l'État, président Jovenel Moïse, présenté en tout cas sympathie par les familles et à tout membre pouvoir judiciaire là qui n'a la peine. Et gagné président si Monsieur Sénat Joseph Lambert qui lui-même tout dit c'est à campil émotion lui apprend disparition président CSPJ et puis présenté sympathie par les familles à quelques collègues magistrats. René Sylvestre, donc c'est troisième personnage ou comment l'est dans... Oui, René Sylvestre. C'est ça, Sylvestre, troisième personnage. Troisième personnage. Parce que le deuxième personnage, non, c'est le président Sénat. Ok. Le Sénat, c'est troisième personnage. Public. Donc, Et vous, ministre, quand elle est classé. On a cherché une place. Mais... Depuis la situation a commencé à durer, bon. Il y a plus d'inquiétude. On a un audace là, car il est dans une zone, il va comprendre. Il ne va comprendre comment il fait fonctionner comme ça. Là, il est dans une zone, si tu es dans le bureau d'administration, il est paralysé. Oui, il y a un cadre du ministère de l'Éducation nationale qui m'a donné mon retour. Il y a un directeur administratif là. Depuis les coches d'école dans la tête de la cassation, comme ça, c'est veillé. Veillez en haut, veillez en bas. Il y a une veille sous l'autre. Parce que, donc, tu as souhaité mon jouer à la prudence, parce que ça m'a dit à prendre jouer. Parce que nous, bah, elle a déjà. Parce que depuis qu'elle a rangé ça, depuis qu'elle a rangé ça au lieu, donc, pour un pile de bouchons. Donc, souhaitez mon mieux. Comprendre. Ok. Ok. Non, bon, je vais vous donner une précision. Ça. Je dis oui, Guichard. Donc, Guichard qui dit c'est deuxième personnage, c'est le Premier ministre. Non? Troisième, non, c'est le président de l'Assemblée nationale. Non? Et quatrième, non, c'est le président de la Cour de cassation. Oui. Merci un peu, Guichard. Voilà. Oui. Cette situation vraiment difficile. Oui, compliquée. Et nous, malgré tout. Oui, tout Gary encore. Moi, Gary a frappé. Moi, je suis dans l'avion de Dédé encore. Je ne sais pas si vous comprenez rien là. Là, on perdu, franchement. Bon, bah, ça, on perdu. Gary, bah, il joue à l'avion qui était payé à l'avion. Ici. Et je dis à. Je dis à. Bon, Gary, c'est que vous ne pouvez pas le faire à Port-là. Oui, si tu as l'avion, on ne peut pas le faire à l'avion. Ok, parce que par exemple comment quoi avec lui. Ok, Clément Benoît dit tout proche lui l'a fait effort, il est beaucoup fin bon, okay. Mais il a caillé, il a fait effort. Même Jean Jean-Baptiste Comaret tout il a fait effort, lui a pris soin. Bon, il y a deux battes. Oui, donc là il y a deux battes. Ben, il a compliqué. Peu à tout côté, tout le blaï. Regardez ça, nous gagnons sous épaule, nous gardons ça, nous gagnons, gardez gal, nous gagnons encore nous, et puis gardez la situation même nous troublé. Pas nous-mêmes mariés avec une insécurité sans pareil, côté personne, nous n'avons pas d'assurance que où est aujourd'hui, ce qu'on va pouvoir demain, et puis ça qu'a pas nous aussi sous pays, image virale sur tous les réseaux sociaux, il y a pensé, il y a inquiétude, tout dans le capital guerrier. Eh bien, nous pouvons parler de la mort toujours, oui, avec funérailles, inspecteur divisionnaire, Miradel Adolphe. Oui, funérailles, inspecteur police, chanté à Yemen Koudir, c'était l'académie police en sous-titres, et cérémonie ça, qui est déroulée en présence de chef police, Léon Chol. Miradel Adolphe, 49 l'année, était mouru en bas.